Soyez bénis, nous sommes à cette date aujourd'hui, n'est-ce pas, du jeudi 8 juillet 2021. Depuis ta position, que Dieu te bénisse. Je suis le maréchal Joël Crasso, voilà, président fondateur de toutes les églises pentecôtistes authentiques internationales dans le monde. Alors, je suis dans la région, n'est-ce pas, de la zone forestière guinéenne, voilà ce qu'on appelle la forêt, et précisément dans la sous-préfecture de Bolulma. Et nous allons à Diaple, où nous avons commencé une mission de réveil, d'évangélisation, qui s'est débouchée sur une mission de réveil, où tout un village s'est pratiquement donné à Jésus. Un village qui était sous l'emprise de la sorcellerie et du fétichisme. Les gens ne vivaient que ça, ils ne croyaient qu'au diable, ils ne croyaient qu'à la sorcellerie, ils ne croyaient que, n'est-ce pas, au fétichisme, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous a utilisés afin de gagner des armes. Dans ce village-là, il y a des gens qui font qu'on appelle la métaphysique. C'est-à-dire qu'il peut, voilà, peut se transformer en chimpanzé, en serpent, en gazelle, en pacochère, qu'on appelle hippopotame, en éléphant. Voilà. Donc, ils ont ce pouvoir-là de disparaître et tout ça. Et c'est dans ce village-là que le Seigneur nous a envoyés. Dieu d'abord, lui, c'est mon fils spirituel. Je vais vous parler de l'importance de la loyauté. Vous savez, les gens, ils pensent qu'on est comme ça. Pour naître physiquement, tu nais d'abord, il faut avoir un père. Jésus est fils de David par Joseph, pas par Marie. Jésus est fils de David par Joseph. C'est de la lignée de Joseph. Voilà. Ce n'est pas Marie, sa mère. Bien qu'il soit sur le plan biologique, qu'il ne soit pas, n'est-ce pas, que Joseph n'a pas eu de rapport avec Jésus, Marie, mais il est fils de David de par l'allié de Joseph, pas Marie. Allez voir la généalogie de Jésus à partir de Matthieu, le chapitre 1. Donc, dans la vie, il faut avoir un père. Tu n'as pas un père spirituel, tu es un enfant bâtard. Je reprends, tu es un fils bâtard. Un chrétien doit avoir un repère. Tu dois avoir un fils. Roger et moi, on s'est rencontrés en 2006, ici, à Zérékoré. Depuis lors, il était chrétien, mais il n'était pas pasteur. Pendant mon séjour, le Seigneur l'a formé par mon canal. Il a été vraiment formé en matière de délivrance, cure d'âme, délivrance, tout ça. Roger découvrait l'onction. Toute une salle tombait. La puissance de Dieu. Juste à côté, les gens, les sorciers qui voulaient attaquer mouraient. Il a vu. Et Zérékoré a vu la puissance de Dieu en 2006. Les prophéties, les révélations. Parle-leur un peu. La révélation, les prophéties, oui. La révélation. Oui, la révélation. Surtout la prophétie qui disait que après la salle à compter, c'est un forestier, un militaire qui devait prendre le pouvoir. Effectivement, en 2008-2009, on a vu l'avènement de Dadis qui est venu au pouvoir après la mort de Lassana Conté. Oui, ça s'est passé devant nous. 7 ans. Et c'est le prophète Joël qui a prophétisé cela. Et cela est arrivé vraiment à Zérékoré dans la vie de la nation guinéenne, dont toute la grande forêt est au pouvoir. On n'est pas prophète qu'il veut. Non. On est prophète par vocation. On est prophète par vocation. C'est pour vous dire, il y a longtemps, nous sommes dans le fait de Dieu là. Et la loyauté de ce fils-là a payé. Loin d'ici, on était toujours en contact. On était toujours en contact. Il a bénéficié de mes conseils. Et comme il connaît son père, il sait très bien que j'aime la broussaille. Je l'ai consacré. Avant de quitter Zérékoré, je l'ai payé. Vous savez, si vous voulez, il y a appelé et attendre le temps de Dieu. Et avoir l'envie de servir Dieu. N'ayez jamais l'envie de servir Dieu. Laissez Dieu vous appeler. Parce que si Dieu vous appelle, si vous allez faire ce que nous sommes en train de faire, nous avons laissé toutes ces grandes villes, vous voyez, la forêt là, nous sommes dans la forêt, dans la grande forêt ici. Beaucoup ont peur de venir. Parce que cette zone, elle est minée par la sorcellerie. Elle est mystique, frère. Cette zone, elle est mystique. Tu n'as pas appelé, ils vont te manger avec plat là. Tu vas faire diarrhée tous les jours. Plala, tu connais Plala? Hein, Plakali? Plala, souvent c'est Chioko. Chioko. Ils vont te manger ou à demain. C'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement.
Nous avons quitté, regardez. J'ai fait le New York. J'ai fait, vous allez me dire, non, moi, je suis archibishop, je suis révérend. Frère, c'est pour ça que par moment, il faut laisser à faire de Facebook. Laissons à faire de Facebook. Allons dans les hameaux, dans les villas. C'est ça qu'on appelle l'appel. Vous voyez, il a reçu l'onction. Je l'ai béni. Permettez qu'un père vous puisse vous bénir. Permettez un père de vous bénir. C'est très important dans le ministère. Si vous n'avez pas été béni par un père, tout ce que vous allez entreprendre va échouer. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est cela que Abraham va transmettre une bénédiction prophétique à Isaac. Isaac va le transmettre et c'est pas à Jacob, etc., etc. Pour vous dire, frère, lui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a une onction, il a travaillé à Bli. Il a une couverture spirituelle de quelqu'un que je suis. Et le Seigneur est en train de mandater son ministère et son ministère est en train d'impacter. Et le Seigneur m'a mis à cœur de venir l'aider dans cette œuvre-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu. Je suis rentré par la grâce de Dieu. Tout le village a été impacté par l'évangile. Puissamment impacté par l'évangile. Frère, laissez Dieu. Il faut servir Dieu. Il faut le servir véritablement. Et j'en profite pour vous dire, à partir de cette vidéo, il n'y a pas de culte à Vitry-sur-Seine. 64 avenue du groupe Manochin, 64, je crois, 84, 400. Il n'y a pas de culte jusqu'à ce que je rentre sur la France. Il n'y aura pas. Toutes les cultes de cette église sont suspendues maintenant. Voilà. Retournez-moi sur Zoom. Nous avons Zoom et nous faisons des cultes sur Zoom. Et, vous pouvez composer le 00337 55 30 87 48. Voilà. Ils sont en train de nous attendre. Voilà, ils sont même assoiffés. Hein? Ils sont plus zélés. Allons annoncer l'évangile. Le réveil a commencé. Le village suivant, le village d'après, demande un programme là-bas. Vous allez voir qu'ici, dans ces temps-ci, nous allons garder des séries de croisades. Des croisades dans les villages. Le peuple, l'évangile doit impacter. Si vous êtes dans un endroit que tu as un ministère, il faut que ton ministère impacte. Si ton ministère n'impacte pas cette région et là où tu es, ton ministère, tu as un souci. Tu as un souci. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Lève-toi. Lève-nous. Allons prêcher la parole de Dieu. Je vous exhorte. Allez revoir Matthieu 28, le verset 19. Allez faire les nations, les disciples. Prêchez-leur la repentance. Dites, le royaume des cieux est proche. Et c'est ça. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Dis aux gens, le royaume des cieux est proche. On peut être à Paris, revenir à Gli, revenir à Diaple, prêcher la parole. Bao, prêcher la parole de Dieu. Amener les gens à expérimenter la gloire de Dieu. Nous avons commencé là. Vous allez voir, tout à l'heure, tout un peuple assoiffé de recevoir un baptême de Dieu. Assoiffé d'expérimenter la gloire de Dieu. Assoiffé pour le salut. Parce qu'ils sont restés tout le temps dans les ténèbres. Soyez bénis. Shalom à vous. Diaple 2 est béni. Amen. Tu ne produiras plus des épines, mais de bonnes choses sortiront de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La grâce est répandue sur ce village. Amen. Parce que Jésus est apparu. Jésus est apparu dans ce village. La Bible déclare que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable. Désormais, le pouvoir du diable est sous notre pied. Le pouvoir du diable est sur notre pied, dans le nom de Jésus. Le pouvoir de la sorcellerie est sur notre pied. Le pouvoir du mystique est sur notre pied, dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, je vous donne le pouvoir, mon nom, de marcher sur les scorpions, les serpents, et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Et sauf cela qu'au nom de Jésus-Christ, dans tout le périmètre concernant le village, une onction spéciale de protection de l'Éternel coupe ce village. Et que la grâce de Dieu soit sur ce village. Dans le nom de Jésus. Vous êtes bénis. Amen. Alors, venez me saluer. Vous êtes bénis. Alors, soyez bénis. Soyez bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis.